Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà mi-mars, et mi-mars c'est évidemment la période de floraison des prunus, c'est la période de floraison des magnolias, mais c'est pas du tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de tomates. Alors on a déjà pas mal parlé de tomates sur la chaîne, on a parlé de semis, on a parlé de pollinisation, je vous remets le lien avec toutes ces vidéos ici si vous ne les avez pas déjà vues, mais aujourd'hui je vous propose de parler de tomates précoces et cultivables en pot. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude dans nos jardins de cultiver des variétés, des belles variétés, des variétés stars, hein, les cœurs de bœuf, les roses de berne, les green zebra, enfin toutes ces variétés que tout le monde connaît. Mais qui ont souvent l'inconvénient d'être des tomates dites de saison ou tardives. Et dans ces cas-là, on commence à les récolter au mieux début août, dans les zones un peu au sud, et puis parfois mi-août ou fin août. Et je trouve que c'est un peu tard quand on commence à cultiver, à semer ces tomates vers le mois de mars, de ne déguster les premières que vers le mois d'août. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour choisir des variétés dites hâtives ou précoces. On verra justement la différence entre toutes ces notions de hâtives, précoces, de saison, tardives. On en parlera tout à l'heure. On verra aussi la différence entre les tomates à port déterminées et les tomates à port indéterminées. Vous verrez que les tomates à port déterminées sont en général plus précoces. On verra aussi comment faire quand on a très peu d'une, si vous n'avez qu'une ou deux graines d'une variété, comment faire pour multiplier ça à partir de multiplier vos plants à partir d'une ou deux graines. Vous verrez qu'il y a des solutions. Et puis pour terminer, on parlera d'un petit peu autre chose. Avec le mois dernier, je vous ai parlé de la boîte à semis avec un système de cage à lapin qui permet de faire des semis. On fera un petit point sur l'utilisation de cette cage à semis un mois après pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on va parler de tout ça tout de suite après le générique, c'est parti. Alors avant de voir le tableau des 30 variétés qu'on va tester cette année, les 30 variétés précoces et cultivables en pot qu'on va tester cette année, je vais vous donner quelques petites définitions pour bien comprendre ce tableau. La première chose, c'est voir les types de tomates par saisonnalité, par précocité. On parle de tomates précoces, hâtives, de saison ou tardives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une tomate précoce, c'est une tomate qui pousse avant la saison classique. Donc c'est en général une tomate qui pousse entre 40 et, enfin, qu'on peut récolter entre 40 et 55 jours après la plantation. Pas le semis, mais la plantation. Ça veut dire que si vous semez, si vous plantez votre plant de tomates précoces au 1er mai, si vous êtes dans une région où on peut planter dès le 1er mai, vous pouvez espérer une première récolte vers le 15 juin. Alors c'est très tôt, bon, il n'y a que quelques variétés avec lesquelles on peut faire ça, mais avoir des tomates le 15 juin en France métropolitaine, c'est possible avec ces variétés de tomates très précoces. Ensuite, on a les tomates hâtives, donc c'est celles qui sont entre 55 et 65 jours, donc un peu plus longues, mais alors vous verrez qu'en fonction de la saisonnalité, elles sont de plus en plus grosses. Donc les tomates précoces en général sont des tomates à port déterminé et pas très grosses. Et puis plus on va aller dans la saison, plus les tomates vont grossir. Donc les tomates hâtives sont un peu moins rapides, hein, puisqu'elles viennent de 55 à 65 jours. Mais par contre, elles sont un peu plus grosses, donc ça peut être intéressant aussi. Donc dans cette vidéo, on parlera principalement des précoces et des hâtives. Ensuite, vous avez les tomates de saison. Alors les tomates de saison, c'est entre 65 et 80 jours après la plantation. Donc grosso modo, on va dire 2 mois et demi, donc toujours pareil, si vous plantez votre plant le 1er mai, vous arrivez à mi-juillet à peu près, ce qui est pas mal. Et puis vous avez les tomates tardives, donc celles qui prennent entre 80 et 100 jours pour donner, ou même parfois plus, pour pouvoir avoir une première récolte. Donc celles-ci, vous les récolterez à partir du mois d'août. Donc vous savez très bien que pour avoir une récolte plus longue, ce qu'il faut, c'est alterner un petit peu les différentes variétés, donc avoir des précoces, des hâtives, des deux saisons, des tardives, et comme ça vous avez tout un panel de tomates à partir de la mi-juin, on va dire, jusqu'au premier gel. Donc il faut évidemment cultiver toutes ces différentes variétés pour avoir des tomates tout au long de la saison. Deuxième chose à définir, qu'est-ce que c'est qu'une tomate à port déterminée et une tomate à port indéterminée? Alors une tomate à port déterminée, c'est une tomate buissonnante, c'est-à-dire que ça fait un plant qui va faire entre 50 cm et parfois jusqu'à 1m50, 2m. Mais ça va être comme un petit buisson, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'effet liane qu'on a traditionnellement avec les tomates tardives. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de tailler. L'inconvénient, c'est que ça donne, on va dire, une seule fois. Le buisson se forme, les tomates se forment, et puis c'est terminé. Donc bon, c'est le principal intérêt, donc c'est qu'on peut les cultiver facilement en pot. Il n'y a pas de, ça fait des petits buissons, donc c'est facilement cultivable en pot. Et puis on a évidemment pas besoin de les tailler. La tomate à port indéterminé, c'est l'inverse, c'est une tomate qui va faire une liane, donc il faudra tuteurer, il faudra éventuellement tailler si on ne veut pas que ça parte trop dans tous les sens. Et puis il faut avoir la place, parce qu'une liane, ça peut faire 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, en fait ça peut être très long. Donc voilà la différence entre indéterminé et déterminé. Donc pour les tomates précoces dont on va parler aujourd'hui, c'est principalement des tomates à port déterminé qui donnent des tomates plus rapidement. Voilà pour les définitions, maintenant on voit le tableau des 30 variétés. Voilà, donc je vous ai fait ce tableau de 30 variétés, qui sont des variétés principalement originaires de Russie, de Suède, du Canada. Alors pourquoi ces pays en particulier? Parce que ce sont des pays qui ont des périodes de croissance assez courtes et ils ont besoin de variétés très rapides à se développer pour pouvoir avoir des tomates chez eux.
Donc, je vous fais le listing rapidement. 42 days, 42 days, c'est une variété anglaise. Vous voyez que je vous ai mis l'origine de la variété, le calibre, le poids et le port. Donc, en fait, celles qui vont être cultivables en pot, ce sont principalement celles qui sont d'un port déterminé et qui font, on va dire, maximum 1,50 m. Donc, je vous laisserai choisir. Donc, on va vite faire le tour. Anna Russian, c'est une variété russe qui fait une tomate de 100 grammes, donc c'est pas mal, mais par contre, elle est en port indéterminé. Donc, c'est pas l'idéal pour les pots. Bloody Butcher, c'est une variété originale des Pays-Bas qui est aussi en port indéterminé. On a Buckbee's New 50 Day qui est américaine. On a Delisdeur, Golden Delight en anglais, qui est originaire des États-Unis et qui fait environ 120 grammes, ce qui est pas mal, qui est seulement 1,20 m. Donc, ça, c'est pas mal. C'est une tomate jaune, hein, comme vous pouvez le voir. Early Wonder, c'est la plus grosse des tomates précoces, qui fait des tomates de 300 grammes, qui est une variété américaine et qui a un port déterminé de 1 mètre. Donc, ça, je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Edouard, c'est une variété française. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais enfin, vous avez les 30 variétés qui s'affichent sous les yeux. Et on va donc essayer de les cultiver. Et puis, si vous, de votre côté, vous avez des variétés intéressantes, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, qu'on partage nos expériences et qu'on voit quelles sont les variétés les plus intéressantes à cultiver comme tomates précoces. Voilà, alors si vous voulez cultiver vous aussi ces variétés, je vous ai mis toute la liste de toutes ces variétés dans la description de la vidéo. Comme je suis un peu taquin, je me suis amusé à semer toutes ces variétés le 26 février. C'était une date où il fallait normalement ne pas cultiver, ne pas rien semer selon le calendrier lunaire. Vous savez que je suis un peu taquin, donc j'ai semé quand même ce jour interdit. Et puis, dernière chose dont je voulais vous parler, si vous avez des graines ou des variétés avec très peu de graines, si vous n'avez que 2-3 graines, vous pouvez tout à fait bouturer la tomate, c'est-à-dire cultiver les 2-3 graines que vous avez. Et ensuite, dès que le plant est assez grand, bouturer les rameaux, de façon à pouvoir multiplier les plants à partir de faible nombre de graines que vous aviez au départ. Pareil, si vous avez un ami, un voisin qui a une variété que vous souhaitez cultiver mais pas de graines, n'hésitez pas à bouturer les rameaux dès que les rameaux sont assez épais, la taille d'un crayon, on va dire. De façon à avoir comme ça plein de plants à partir d'un seul plant. Voilà donc pour ce test de variété de tomates précoces. On suivra ça sur la chaîne tout au long de la saison. Pour terminer, je vous ai parlé de ma boîte à semis, de ma cage à semis. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé des nouvelles, savoir comment ça se passait. Donc je vous ai fait un petit tournage de la cage à semis trois semaines après. Et on voit ça tout de suite. Bon alors après trois semaines d'utilisation de ma boîte à semis, je voulais faire un petit point pour voir un peu comment ça évolue. Donc là, on a par exemple des plants de tomates que j'ai fait début février. On voit qu'ils sont plutôt jolis, hein, ils sont trapus, ils sont bien développés. Donc sur ces petits plants de tomates cerises, alors c'est une tomate cerise du commerce, hein, c'est une F2. Donc des graines d'une tomate que j'ai bien aimée, que j'ai plantée pour voir. Hein. Je fais souvent ça pour illustrer le fait que les hybrides F1 ne sont pas stériles, comme beaucoup le croient. Donc au niveau des tomates, c'est pas trop mal, enfin ça dépend lesquelles, parce que celles-ci vont bien. En revanche, j'ai fait des semis de tomates précoces, je vous ai parlé. Et alors là, on voit que selon les variétés, on voit que celle-ci, par exemple, a un peu filé, alors qu'elle est juste sous la lampe. Alors que d'autres variétés qui sont derrière sont à peu près correctes, vous voyez celle-ci. Donc il pourrait y avoir un lien entre les variétés et la capacité à filer. Alors c'est des variétés... russes, suédoises, enfin qui aiment le froid. Donc comme chez moi, elles sont à 20 degrés, même un peu plus. Je pense qu'elles n'ont pas aimé d'avoir autant de chaleur, et en tout cas trop de chaleur par rapport à la lumière. C'est une chose que je ne savais pas, mais selon les variétés, on peut avoir des résultats assez différents. Les artichauts sont pas mal. Ils se développent bien. Alors là, il n'y a pas de problème de filage, hein, les feuilles se développent correctement. Les salades, bon, il n'y a pas trop de différence entre les salades sous lumière et les salades que j'ai mis dehors. Donc pour les salades, c'est pas très intéressant. Les poivrons aubergines, alors j'avais raté mon premier semis de poivrons, parce que j'avais des vieilles graines que j'avais testées, mais ça ne marchait pas. Donc je suis reparti sur poivrons aubergines, et là ça se passe pas mal. Les feuilles se développent correctement. Et donc le repiquage d'aubergine que j'ai fait un peu plus tard lève tranquillement, donc ça va bien de ce côté là. Le basilic qui avait filé, j'avais fait exprès de le laisser filer pour voir un peu comment ça évoluait. Donc mis à la lumière, tout de suite il va beaucoup mieux. Alors c'est pas évident de vous montrer ça comme ça, je vais sortir de dehors. Voilà, donc même s'il a filé avant que je le mette sous la lumière, mais il a l'air de pas trop mal de récupérer avec les tubes, donc ça c'est pas mal. Et puis j'ai mis aussi une patate douce pour voir.
Et là, la patate douce, elle a l'air de bien aimer la lumière aussi. Alors, on peut aussi en mettre à côté. Hein. Vous voyez que celle-ci profite de la lumière sans être dans la cage. Et donc, j'ai remarqué que les semis que je mets à côté allaient évidemment vers les tubes. Hein. Donc, bilan plutôt positif, à l'exception, je vous dis, des variétés, de certaines variétés qui, en fait, il faut bien jouer sur et la lumière et la chaleur. Donc là, sur certaines variétés, donc qui aiment plutôt le froid, le fait d'avoir eu chaud et pas assez de lumière les a fait un peu filer quand même. Donc globalement positif avec des petites choses à rectifier quand même. Ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté un petit thermomètre. Je vais le mettre un peu en dessous. Thermomètre sonde qui permet d'avoir l'humidité et la température. Donc vous voyez, je suis à 22 et à 70% d'humidité. Parce que l'humidité, on n'en a pas parlé, mais c'est important d'avoir un taux d'humidité, et ça c'est la sonde, d'avoir un taux d'humidité entre 60 et 80. Donc quand on met le couvercle des serres, on est une humidité à 90-95%. Mais quand on découvre, il faut quand même qu'il y ait une humidité qui reste au-dessus de 60%. Donc attention si vous avez un intérieur très sec. Voilà donc pour un petit point sur les semis. Dans la grow box. En tout cas, je trouve que ces plants de tomates sont assez réussis, j'en suis assez content. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous également. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche à droite du bouton abonné pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!